Bon, ça suffit de faire le con. On va un petit peu parler dans cette vidéo. J'ai mis une petite musique un peu triste, hein, en ref à Bleach. Vous connaissez un peu les bails. On va changer de musique. Hein, on est sur une vidéo assez chill. Mais on va parler un petit peu de Dragon Ball Legends. Et en l'occurrence, de tout ce qui se passe un petit peu autour du jeu. Alors, je vais vous laisser la musique, je pense, parce qu'on est un peu dans le thème où c'est la merde. Donc, on va la laisser. Je sais que je suis absent depuis très longtemps. Je sais que YouTube, c'est compliqué. Cette semaine, ça va être un peu dans la même lignée parce que je taffe 6 jours sur 7. Donc, je suis à 54 heures, je crois, à peu près de taf. Donc là, j'étais en repos aujourd'hui, mais je profitais avec la famille. Et donc, demain, vendredi, samedi et dimanche. Donc, vous allez avoir la vidéo vendredi, normalement. Qui aura été tourné la veille, mais du coup on va un petit peu parler de tout ça. Je vais vous donner mon ressenti sur la mise à jour et globalement de mon expérience en tant que joueur depuis que j'ai grandement réduit ma fréquence de jeu. Il y a des choses quand même qui sont vraiment positives par rapport à moi et ça me semblait quand même assez important de vous en parler. Et bien sûr, tout ça n'est pas mort. Il faut savoir que là, je taffe 6 jours sur 7. Mais techniquement, s'il n'y a pas de modification, la semaine prochaine, donc c'est mon anniversaire mercredi. Et je suis en repos lundi, samedi, dimanche. Donc du coup, j'ai 3 jours de repos et 4 jours de taf. Donc du coup, le week-end, on va pouvoir se faire plaisir. On fera des choses. Là, j'avais quand même besoin ce matin de me reposer. Je voulais faire un live, etc. Mais je me suis dit, il faut que je dorme parce que taffé lundi, mardi, mercredi, repos jeudi et vendredi, samedi, dimanche. Valait mieux quand même jouer sur la santé plutôt que les plaisirs. Et bien sûr, la famille avant tout. Donc, je suis toujours actif sur Twitter. Ceux qui me parlent, etc. savent, je réponds. Voilà, je veux dire, je réponds et j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde quand je peux, dans la mesure du possible. Et donc, on va en parler un petit peu. Donc déjà, normalement, je serai en live juste après cette vidéo que je tourne à l'avance. Avec tous les frérots, donc du coup, bon bah si vous étiez présent hier pour vous, parce que forcément bah, la vidéo, moi je la tourne maintenant, donc jeudi, mais vous allez la voir vendredi, et donc jeudi soir, j'aurais été en live. On va du coup parler de tout ça. Déjà, je vais parler de la communauté, je vais parler des développeurs, je vais parler des influenceurs qui prennent un peu les gens pour des cons. Moi, il y a un truc, les gars, vous me connaissez, je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que ça plaît à certains, donc forcément, je prends parti. Donc vu que je prends parti sur des choses, tu peux pas plaire à tout le monde. Si t'es un gars qui est neutre, tu vas te dire, en fait, tu te mets au milieu, tu vois. T'es un peu un Suisse. En gros, t'es un Suisse en mode, moi, je veux pas de problème. Eux là-bas, venez. Eux là-bas, là. Ou alors, c'est dans ton caractère, tu cherches pas de problème. Et ça, évidemment, chacun, on se doit de le respecter. Donc, on va parler déjà de la mise à jour qui, sur le papier, était une bonne idée, je trouve. Et qui a fini de manière catastrophique dans la réalisation. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Est-ce que c'est normal? Non. On va en parler donc ici. Vous avez un screen ici. Et je vais directement attraper la veste des influenceurs, notamment les Américains ou plutôt les anglophones. C'est plutôt le terme, les anglophones. Parce que j'en ai vu hein, des trucs comme quoi, oui, la communauté est assez séparée entre les anglophones et tout simplement les francophones. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qui sont les personnes qui agissent comme des merdes? Eh bien, ce sont les anglophones. Je vais m'exprimer pourquoi. On a juste ici le premier qui est un japonais. Donc ça, c'est ce qui est passé la saison dernière. Donc, il faut savoir que la saison n'était pas doublée, ni triplée, ni tout ce que tu veux. On était sur une saison classique avec le nouveau format de PVP. Le problème étant que, et ça d'ailleurs, je vais en parler par rapport au cas Masita, parce que certains ne le connaissent pas, mais c'est un joueur français hein, qui est donc dans ma communauté et dans celle de d'autres vidéastes, hein, évidemment, et streamers. Mais ça lui a attrapé sa veste un peu trop facilement, et je vais en parler en donnant mon avis ici, mais il y en a, c'est des grands malades. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, on est sur une saison qui est classique, sauf que le format avant, vous le connaissiez du PVP. Tu pouvais être en fin de saison et surtout dans les saisons doublées, triplées de points. Et ça n'allait pas plus haut que 45 000 points, je crois, à peu près, si je ne me trompe pas. C'était le record. Mais en l'occurrence, là, on a 112 000 points pour celui qui a terminé en tête ou un peu plus, je ne sais plus. Enfin bref, tout ça pour dire que ces gens-là, en fait, à l'époque, donc, tout simplement, tu pouvais perdre 150 points. 100 points contre un joueur qui était bas classé ou tout simplement un gars entre le top, je sais pas, 1000 et le top 1. Maintenant, tu perds 50 points. Et quand tu gagnes, tu vas en gagner en moyenne à peu près 65-70. Donc ce qui fait que tu vas pas avoir une énorme perte.
par rapport à avant. Là où avant, les joueurs qui tentaient le top 1 gagnaient peut-être 5 points, 10 points sur des games et quand même pas très. Avec pas un écart de ouf, hein, c'est-à-dire peut-être le top 3000. Top 3000, c'est quand même un bon top. Hein, c'était top 3000 dans le monde du jeu. Donc ça reste quand même une bonne chose. Là maintenant, tu pouvais affronter en étant top 1 un joueur du top 30 000, tu prenais 50 points ou plus. Donc forcément, ce système-là incite au spam, et le spam incite donc à tout simplement des conditions de jeu où tu vas rester toute ta vie et toutes les journées sur ton téléphone. Donc dans le cas de Massita, que certains ne s'y méprennent pas, le gars n'est pas un attardé mental, hein, je le précise quand même au cas où, c'est un jeune, il était en vacances d'été, que les gens, parce que j'ai vu des trucs de fou, oui, mais c'est un jeune, il a autre chose à foutre que passer ses vacances d'été à être sur son téléphone, oui, mais ça, c'est ton avis. Dans les faits, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je pense la même chose que les gens. Mais je vais pas aller l'insulter de trou du cul, insulter sa daronne et tout ce qui s'ensuit, hein, donc sa famille, mal parler de la personne, lui faire un forcing et un pressing sur les réseaux qui est assez dingue. Oui, c'est bien de faire de la prévention et de lui dire « Massita, là, t'es parti en couille ». Moi, je lui ai dit, hein, je lui ai dit « ce que t'as fait, c'est n'importe quoi ». Mais après, c'est son choix. Moi, je n'ai pas à juger à ce que font les gens. Si un gars, il met 100 000 euros dans un jeu vidéo, dans des clopes, tu le préviens. C'est pas bon, attention à l'addiction, nanani, nanana. Après, le gars, tu peux pas le forcer à faire ce que toi, tu as envie. Toi, t'as une manière de voir les choses que les autres n'ont pas forcément la même. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, en l'occurrence, pour le cas de Massita, on lui a dit, ceux qui lui ont dit de manière respectueuse, peut-être avec un petit coup de « Allez, oh, il faut se réveiller, bouge-toi », c'est bien, en mode un peu grand frère, parce que ça reste quand même un jeune, mais faut pas insulter les gens pour un jeu vidéo. Et le problème, c'est que j'ai vu des trucs où c'est allé un peu trop loin, alors certains peut-être ont voulu bien faire, mais sur la manière dont ça a été fait, ça a été très très mal géré. Et alors les ricains, surtout les vidéastes, alors je vais pas spécialement, c'est pas pour mal parler d'eux, hein, je le précise quand même, je dis ce que je pense, mais parce que c'est, je suis comme ça, hein, je suis obligé de dire, mais c'est une belle blague. Donc là on va prendre le cas de Tom FPS comme on peut prendre le cas de plein d'autres qui ont parlé. Donc qu'est-ce qu'il dit, je sais plus ce qu'il dit, hein, voilà. En gros, donc là on fait la traduction, c'est plus que stupide. Alors c'est stupide de passer des heures, donc 10 jours par jour, 10 heures par jour, pardon, sur son téléphone, d'accord, hein. Ok, mais est-ce que c'est pas stupide de demander de faire des grands vocaux Discord à 50 les derniers jours de saison PVP et dire donnez-moi la win, donnez-moi exprès, faites exprès de tomber contre moi, mettez-vous haut dans le classement, comme ça au moins moi je gagne mes games, je suis top 1, mais c'est vous qui m'offrez le top 1. Là, même si le format, et je suis totalement d'accord, est catastrophique et incite encore une fois à quelque chose de mauvais, qui n'est pas bon, que ce soit pour la santé, l'addiction, être trop sur les téléphones avec les ondes, etc., c'est pas bon, on connaît tout ça. Là, au moins, c'est quelque chose que lui, il le fait tout seul, de lui-même. Donc, moi, l'un comme l'autre, en fait, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'un est mieux que l'autre ou autre. Les deux, c'est de la merde. Mais je trouve ça quand même assez facile de critiquer des gens qui font ce qu'ils veulent, dans leur bon droit, quand toi, de ton côté, tu prends des free wins et t'es bien content quand t'as fait ton top 1, et surtout que les derniers jours de saison PVP, avec le format de l'époque, incitaient à jouer toute la journée, jusqu'à des 4h du matin au reset. Donc, qui est le plus stupide? Je pense que les deux le sont. Maintenant, c'est un peu culotté et facile de le dire maintenant quand ça ne te concerne pas, surtout que je n'ai jamais vu les ricains et les gens qui faisaient top 1 à l'époque critiquaient l'ancien système qui était déplorable, alors que celui-ci, vu qu'il ne les arrange pas, ils se permettent de critiquer parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de jouer autant au jeu sur toute la saison et donc d'être top 1. Donc là, vu que ça les dérange, eh ben, ils ouvrent leur gueule. Sauf qu'à l'époque, ils étaient où? Ben, ils étaient nulle part et ils profitaient bien du système. Donc moi, je trouve ça très facile de critiquer notamment un mineur, de se foutre de sa gueule, insulter ses parents, l'insulter, etc. parce qu'il joue au jeu dans son bon droit, il est en vacances. Alors après, moi, je ne partage pas cet avis. C'est-à-dire que je lui ai dit que ce n'était pas bon, que le fait d'être top 1, ça lui apportait quoi à part satisfaire son ego? Rien, hein, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas bon, oui, on lui a dit, après il veut écouter, il écoute pas, c'est son problème. Il a perdu le top 1, donc il a perdu 2 semaines à être sur son téléphone pour rien. Et ça, c'est une bonne leçon pour lui dans le sens où tout l'investissement qu'il a mis dans le jeu, qui est un jeu qui ne mérite pas autant d'investissement, tu peux y jouer des heures par jour, il n'y a pas de souci.
moi, comme certains pouvaient le penser, j'étais tout le temps rang god. Mais j'étais rang god parce que, déjà à l'époque, je ne taffais pas. Donc, taffais pas dans le sens où je n'avais pas de taf en dehors de YouTube et Twitch. Donc, j'avais le temps. Et à côté de ça, tout simplement, j'avais l'habitude. C'est-à-dire qu'à force d'enchaîner les tops, déjà, tu as un niveau de jeu qui te permet tout simplement de faire rang god tout le temps. Et tu as les persos. Parce que ça, il ne faut pas se cacher. Moi, je ne suis pas un acteur. J'avais les persos étoilés en plus. Donc, forcément, ça aide. Parce que bah, du coup, tu vas avoir les persos boostés contre des joueurs qui sont peut-être free to play, qui n'ont pas les persos boostés, etc. Et c'est facile. Donc, ce n'était pas difficile. Là, moi, pour être honnête avec vous, j'ai fini top 8000 cette saison. Parce que déjà, le taf me prend du temps de fou. Hein. Je suis pas sur un 35 heures, je suis sur un plus de 45, etc. Toute la semaine. Le soir, je rentre, je suis avec ma femme, ma famille. Je préfère regarder un film, me poser, profiter avec et tout simplement dormir que jouer au jeu. Alors, le jeu, j'y joue, mais de manière plus limitée. Et je vais y venir après sur un point, notamment sur mes invocations sur Goku et le tag EX Gohan et Krillin. Donc d'ailleurs il m'est arrivé une dinguerie, mais je vous expliquais un peu ce que ma vision a un peu changé par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que en l'occurrence le pressing qui a été fait par rapport à la formule du PVP sur le top 1, pour moi est très culotté de la part des anglophones. Alors pas tous, évidemment, mais pour moi c'est très facile de juger quand ça ne te concerne plus et quand ça ne t'arrange plus. Voilà. Fin de la parenthèse, mais ces gens-là sont très drôles. Et d'ailleurs, moi, vous me connaissez hein, sur Twitter, j'y vais. Hein, voilà, je balance, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense, ça plaît pas, c'est mon avis. Donc là, j'étais top 7000, sauf que je suis allé me coucher, je me suis réveillé, j'étais top 8000. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, bon, après, j'ai vu quelques personnes parler, bon, certains avec un... de bonnes intentions, d'autres des mauvaises, donc je me suis un petit peu mêlé dans le truc parce que je prends parti évidemment, mais voilà. Donc là j'ai fini top 7262, pardon, pas 8000, 7262. Donc comme je le disais, Goresh a fait un sondage, donc on peut le voir hein, on va le traduire. Comment la récente mise à jour du matchmaking PVP de Dragon Ball Legends a-t-elle affecté votre investissement pardon, en temps de jeu? Donc là, de ce que je vois, c'est que tu joues plus au PVP, ça n'a pas changé, tu joues moins et tu as quitté le jeu. Donc là, on peut voir quand même que c'est affligeant, parce qu'on a 80% en moyenne sur 12 000 votants qui ont soit arrêté le jeu ou qui ont baissé leur fréquence de jeu. C'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est la réalité. Alors moi j'ai mis j'y joue moins parce que je n'ai pas quitté le jeu, mais je suis quand même entre les deux, tu vois. J'y joue moins, mais il y a des jours où j'ai même pas joué. Par exemple, je me suis connecté, j'ai fait mes missions quotidiennes. C'était principalement avec les cops et raids que j'ai fait les combats, mais je n'ai pas joué en PVP. Donc c'est arrivé genre facile en 2 semaines, peut-être 5-6 fois, tu vois. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié de la saison où j'ai pas joué. Donc il faut quand même le dire et c'est la réalité. Le temps et j'avais pas spécialement envie, et à côté de ça mes drops n'ont pas aidé non plus, mais c'est plus la question du temps. Donc enfin bref, tout ça pour dire que il y a quand même, il faut le dire, des gens qui sont énormément, donc c'est à dire que t'as 8 personnes sur 10 qui ont soit quitté le jeu soit qui ont considérablement baissé leur fréquence de jeu. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà, donc ça c'était important. Donc là moi je mets bien que j'avais fait 40 en god avant assez facilement hein, sans jouer énormément. Et donc je me mettais juste en god, hein, pas top 10, etc. Mais voilà, je me mettais juste en god. Et là, cette saison-là, ben voilà. Après, il faut quand même dissocier le fait qu'avant, je travaillais pas avec un vrai taf. Vrai taf, je veux dire, qui n'est pas lié à YouTube Twitch, qui est quand même un vrai taf aussi. Hein, quand tu peux en vivre, c'est un vrai taf. Mais là, j'ai vraiment quelque chose en plus qui forcément bloque YouTube et Twitch. Et à droite, ben, c'est quand j'ai repris le taf. Donc il y a quand même une... Et quoi que je pense, j'aurais pas fait en god dans tous les cas, même si je ne travaillais pas avec un vrai taf, parce que ça aurait été trop chiant pour moi et la saison m'aurait pas plu. Donc là, enfin bref, c'est du foot, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que la mise à jour a été catastrophique et que ma fréquence de jeu et le fait que je n'ai pas de vidéo non plus n'aide pas. Encore une fois, si certains ne voient pas des vidéos sur la chaîne ou des lives, c'est parce que je vis chez la belle famille. Et donc, vu que c'est pas dans la même ville et que je n'ai pas le matériel là-bas et que je ne peux pas le transporter parce qu'il y a trop de choses avec les, enfin ça ferait trop en fait d'éléments à déplacer, il est chez moi le PC avec les écrans, etc., donc tout le matos. Donc quand je vais chez moi, ben justement je peux faire, mais quand je ne suis pas chez moi, et souvent quand je sors du taf il est 20h 20h30, donc je suis KO, je rentre, faut que je mange, je me douche, il est 22h très vite. Donc j'ai pas le temps de commencer à live et tout, et honnêtement j'ai pas l'envie parce que je suis fatigué. Voilà.
Donc quand je pourrai, je le ferai avec grand plaisir. Et dans tous les cas, vous savez que plus tard, ben moi forcément, hein, d'ici peu, je vais décoller avec madame. Donc quand on sera dans notre appartement, studio, peu importe, qu'on sera posé chez nous, on pourra à ce moment-là se faire des lives le soir. Et pourquoi pas même le matin, si je commence, parce que je commence vers 9h, 9h30, faire un live à vocation à 8h, j'invoque une demi-heure, je me taille et c'est fini, tu vois. Donc ça forcément, plus tard, le rythme va augmenter et plus facilement. Parce que je serai dans mon domicile direct et ce sera plus simple. Donc mes invocations sur Goku. Ben Goku, j'en suis à 45 000 cristaux, il est tombé une fois. J'ai pas cherché à prendre les PZ, vu que je l'avais droppé, j'ai cherché à aller prendre tout simplement le doublon qui n'est jamais tombé. J'ai eu 7 fois le tag SJ4. Deux fois Ryuken, deux fois Migaté maîtrisé rouge, et une fois le Goku. Donc, j'ai pas trop de chance sur les LF, voire pas du tout, surtout dernièrement, à part à l'anniversaire. Donc, heureusement d'ailleurs, mais avant, quand tu prends le tag Z, quand tu prends Migaté Revive, etc., j'ai eu énormément de mal à les avoir. Et là où ma vision a évolué par rapport à ça, c'est que avant, autant j'avais besoin d'étoiles, parce que j'estimais que pour performer, il fallait au moins avoir les persos 6-7 étoiles, pas forcément de les avoir 14, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je le visais pas à 14. Là, je voulais juste à 6 et pour lui mettre justement les 600 PZ que j'aurais pris avec le shop et le passer 7 et m'arrêter. Sauf que ben, je l'ai droppé qu'une fois. Et j'ai eu énormément de tags SJ4 qui étaient... tout le portail était 14, puisque tous les persos sont des personnages qui sont sortis avant 2023. Donc là, on est quand même bientôt en fin d'année 2023. Et sur le portail, ils nous ont jamais, je précise bien, jamais mis un personnage de 2023, donc c'est très grave. J'ai eu le tag EX énormément de fois, donc ça m'a assez surpris. Je l'ai eu à 5 étoiles et je l'ai PZ à 6, mais voilà, que j'ai même pas testé d'ailleurs, donc pas spécialement le temps. Le Goku, je l'ai testé, donc je ferai sûrement un showcase dessus avant le prochain portail, mais voilà, hein, je veux dire, je pense pas réinvoquer sur le Goku, à mon avis, surtout vu que la campagne Saga Dragon Ball a été annoncée et que j'attendais quand même cette campagne depuis un moment. Mais voilà, le Goku restera comme ça. Au moins, ce qui est positif, c'est que vu que je joue moins au jeu, j'ai moins besoin d'étoiles, donc moins besoin de cash play. Et à côté de ça, vu que je fais moins de vidéos et de live, ben, j'ai moins ce besoin par rapport à l'époque. Et d'ailleurs, c'est moins malsain. Donc ça, c'est quand même très positif. Et deuxième chose, déjà, ça me fait moins cash play. Donc ça, déjà, c'est très très cool. Et troisième point, ça me permet de garder pour les prochaines célébrations et me faire plaisir quand j'en aurai envie. Parce que là, en soi, par rapport au taf que j'ai, l'investissement qui est dedans, qui est quand même assez, assez dur, hein, il y a quand même beaucoup de pression, les gens sont cool, etc. Mais voilà, il faut que tu ailles point par point. Si tu es en retard toutes les 2 heures à peu près, ils te le disent, donc du coup, ça te met un petit coup, etc. Mais ça paye très bien. J'aurais pu largement le 14 étoiles, mais j'en ai pas l'envie. Et c'est pas spécialement intéressant. Donc, ça, c'est important quand tu peux le faire. Bon, tu le fais, hein, quand c'est ton activité, tu le fais, si tu peux. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est important, surtout les éléments de la vie, d'y mettre du dosage. Voilà, donc on l'a vu avec Masita, on le voit ici pour les invocations. Après, ça dépend des moyens de chacun, donc évidemment, c'est variable. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai préféré All-In sur le commando Ginyu, qui me donne bien plus de plaisir que le Goku. Le tag EX, pas testé. Je testerai peut-être ce soir en live, on verra bien. Mais voilà, tout ça pour dire que la mise à jour est catastrophique au niveau du PVP, surtout. Après, il y a des éléments, on va dire, visuellement, qui sont assez sympas dans la mise à jour, mais c'est pas le visuel qui fait le jeu vidéo. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu prends l'ancien format et le nouveau, ben ils n'ont jamais réellement su trouver leur formule. Et c'est quand même déconné. Parce qu'on ne parle pas d'un jeu qui a, en plus du PVP, du PVE intéressant. Le PVE, il est là pour farmer les choses pour le PVP. D'ailleurs, être un joueur PVE sur ce jeu, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas y jouer un peu en PVP, peut-être que voilà. Mais tu ne peux pas jouer à Dragon Ball Legends et ne faire aucune game de PVP, ça n'a aucun sens. T'as l'aspect collection, t'as peut-être le story mode, etc. Oui, mais tout ça, ça doit être en liaison avec le fait qu'à la base, le jeu, c'est un jeu PVP, tu vois. Tu joues parce que tu contrôles tes personnages, parce qu'il y a de la modélisation 3D, parce que t'affrontes les joueurs du monde entier. Voilà, et c'est un petit peu dommage quand même que le jeu n'ait jamais investi dans des serveurs. Alors peut-être que le jeu n'a pas justement l'envie parce qu'il ne se projette pas, peut-être. Parce qu'en termes de moyens, ils ont vraiment largement les possibilités de le faire. Mais après, encore une fois, s'ils veulent pas, et dans tous les cas, ça n'arrivera jamais, ils le font pas. Voilà. Si un jour c'est amené à arriver, c'est qu'ils veulent vraiment faire en sorte que le jeu évolue dans le temps. Sauf que là, après 5 ans de jeu,
Voilà. Je pense qu'on est quasiment à 5 ans et demi quand on sera au festival. C'est faut, voilà. Hein, il faut un petit peu abandonner cette idée. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu déconné. Parce que le contraste entre la réalisation du 5e anniversaire qui a été vraiment excellente et ce qui se passe maintenant, parce que toutes les campagnes ne servent à rien. Moi j'aime bien le jeu, il n'y a pas de problème. Mais ça m'empêche pas d'être objectif. Campagne Saga Namek, pue la merde. Parce qu'on aurait dû avoir le Goku sur le portail en LF avec le commando Ginyu, ça aurait été incroyable. Et tu sortais un Mega Rising derrière, avec peut-être Zarbon Transfo, peu importe. Tu mets pas de Freezer Ultra, c'est pas grave, parce que t'as eu le LF Zenkai. Donc à la limite, pourquoi pas, ça aurait été déjà très bien. Et ceux qui n'auraient pas eu le Goku, ça serait peut-être sorti avec des personnages du commando Ginyu, et ça aurait été un mal pour un bien, dans le sens où ils auraient eu un lot de satisfaction. Moi, par exemple, là, je n'ai eu le Goku qu'une fois en 45K et j'ai eu le tag assez étoilé, mais j'ai rien derrière qui m'intéresse. C'est-à-dire tous les LF sont 14, même si je les avais pas 14, pardon, on fatigue. C'est pas des LF que tu vas sortir, peut-être à la limite le tag SJ4, mais les autres, c'est des persos finito. Ils ont pas mis Migate Revive, donc t'as vraiment rien pour te satisfaire du fait que t'es pas le nouveau perso. Donc c'est quand même assez dommage. Donc voilà. C'était ma petite analyse concernant cette mise à jour et concernant un peu tout ce qui se dit, hein, même au niveau des blabla, au niveau de la formule des top 1, le matchmaking, etc. Je m'arrêterai pas de jouer, par contre je vous le dis très clairement que si le jeu reste avec cette formule-là, ce qui m'étonnerait, en tout cas je l'espère parce que c'est quand même assez démentiel, je sais qu'il y a déjà des correctifs qui ont été apportés, mais pour moi ça change rien, hein, c'est toujours pareil. Moi je sais que Bleach sort l'année prochaine en jeu mobile. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, Bleach, c'est ma licence. Dragon Ball, j'adore. Ah, j'adore. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai évolué avec ma chaîne YouTube. Mais Bleach prendra beaucoup plus le pas sur DBL si le jeu n'est pas capable de se stabiliser et de trouver sa formule. Parce que là, honnêtement, je comprends pas l'intérêt d'avoir changé quelque chose qui, de base, était vraiment pas mal, dans le sens où il y avait des défauts, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc le fait de régresser dans l'idée me dérange quand même beaucoup, sachant que le jeu a des défauts et qu'on les acceptait, même si ça nous faisait chier, mais là, on les ressent encore plus. Et donc, forcément, c'est archi pénible. Voilà, les frérots, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée, soirée. Je ne sais pas quand je sortirai la vidéo en termes de date, enfin, en termes d'heure plutôt, mais je suis toujours en vie. Merci à tous de rester connectés, de me suivre pour ceux qui restent. Hein. Et je sais que j'ai perdu toute ma visibilité sur YouTube au niveau de l'algorithme, etc., mais OZEF. Les vrais resteront, ça fait plaisir, prenez soin de vous, faites attention à la santé et vos proches, et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube, et sinon sur Twitch également. Des bisous la team, ciao ciao.